beau jour de ma vie. Le plus beau jour que je n'ai jamais vécu. Je suis là ce soir pour témoigner parce que j'ai entendu la parole de l'homme de Dieu sur Fréquence Vive. Je m'appelle Marie-Esther, je viens d'Abidjan. Je ne connais pas la région. C'est ma première fois d'être ici. Mais la parole de Dieu m'a fait du bien, c'est à cause de ça que j'ai dit, ah, où le monsieur l'a quitté, je vais aller là-bas pour témoigner. Oui, il est et puis il parle. Et puis je suis délivrée là. Et j'avais une maladie, je souffrais. Mes yeux me grattaient, ma tête me grattait. Un jour je dormais, je me suis réveillée, ma tête est enflée, mes yeux sont fermés. C'est devenu plein. J'ai soigné partout. Mais quand c'est fini, la cicatrice là me gratte. Je me réveille le matin, ça me gratte le soir. Mes yeux deviennent rouges. Moi-même, ma patronne, elle soigne les yeux. Elle m'a donné tous les médicaments, ça ne finit pas. C'est ça, en 2015, je suis tombée malade. Il y a un pasteur qui m'a visité au CHU de Cocody. Il m'a conseillé d'écouter Fréquence Vie et de prier avec Fréquence Vie. J'ai prié avec Fréquence Vie, il y a eu ma guérison. Fréquence Vie est devenue ma radio préférée. C'est sur cette radio que j'ai entendu l'homme de Dieu. Et le 23 décembre, un jeudi, j'ai mis ma radio, j'ai mis écouteur, je dormais. Quand je me suis réveillée, il était en train de prêcher sur la sorcellerie. Il a dit qu'en Grèce, il y avait une femme. Et il y avait biche dans sa douche. Que les mouches sont les vecteurs, ces mouches même là, c'est Belzébul. C'est ça que je me suis rappelé qu'un jour, j'ai rentré dans la douche et puis j'ai vu beaucoup de mouches dans la douche. J'ai dit, ah, pourquoi beaucoup de mouches? La douche n'est pas ça et puis il y a beaucoup de mouches. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Et puis je suis ressorti, j'ai envoyé, puis moi j'ai pulvérisé, ils sont partis. Il a dit au gardien, ah, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de mouches. Il dit, ah, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Il dit, d'accord, j'ai mis en prière. Donc, mes yeux, là, me grattaient, ça finissait pas. Le jour que l'homme de Dieu a prononcé mouche, quelque chose est sorti de mon corps. Amen. Depuis le 23 décembre, ma tête, oh, mes yeux, tout est arrêté. Amen. Oui, je suis là. La sœur Akoso Suzanne. Je viens de Benoît. J'ai dit merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. La toute première fois que j'ai mis pied ici, c'était dans la semaine des 21 jours de jeûne. Et c'était au 13e jour. Depuis ma vie sur terre, je connais l'argent, je fais mon commerce, mais rien ne marche. Rien ne marche. Ça, bon, dès le début, ça va, et puis après, tout chamboule. Mais le jour où j'ai mis pied ici, c'est ce jour que j'ai connu le mot Osterekete. Osterekete, j'ai fini la prière. Quand je sortais, j'ai crié Osterekete. Ça va se réaliser. Et depuis ce jour jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce que je n'ai jamais vu, Dieu m'a donné. Osterekete. Je mange mon poulet. En décembre, je mange mon poulet. Mais manger 5 poulets un jour, je n'avais jamais fait ça. Et depuis, j'ai commencé la prière ici, au Sérékété. Dieu a fait pour moi. Madame Somia, Jocelyne. J'ai dit merci à Dieu, parce que rien n'est possible à notre Dieu. Quand j'écoute tous ces témoignages, ma prière est que ce camp demeure d'éternité en éternité. C'est une cité, c'est pas un camp. C'est une cité. Que ça demeure et que cette prière de 31 la demeure. Parce que c'est très important. Moi, je ne savais pas qu'il y avait une cité ici, il y avait des prières ici, mais j'étais à Ezot et on a eu des informations qu'il y avait une veillée à Oureb
on allait faire la veillée et c'est au cours de la veillée que Madame Beke a invité qu'il y avait à la suite de la veillée, l'endemain, il y avait une prière ici. Je vous assure qu'on avait fait le mariage l'an 2012 jusqu'à l'an 2014. Il n'y avait pas d'enfants, il n'y avait rien. Mais on a fait tous les examens. On nous dit qu'il n'y avait rien, mais il n'y avait pas d'enfants. Je cherchais parce que mon mari était à l'intérieur en fonction. Moi, il était à Abidjan. Je cherchais à tous les moyens pour que vraiment cet enfant, nous aussi, on puisse connaître aussi le fruit du mariage. Et je suis partie à la veillée, à la suite, il était fatigué. On a eu un canapé, on a fait un convoi, ils sont venus à Bobakou, on est venu prier. Je vous assure que j'avais prié jusqu'à ce qu'il n'ait plus de voix. Et à la suite de la prière, il a approché maman, elle a prié pour moi avec Hulle, elle m'a posé Hulle. Je suis arrivée à la maison, j'avais des choses qui sont sorties de moi. Et l'année qui a suivi, nous sommes venus. Bon, on a parlé de cette année, c'est mon chaos. J'ai prié, je n'ai plus encore de voix, nous sommes partis. J'ai demandé à Dieu de faire quelque chose, parce que c'est une honte. Quand tu fais le mariage, qu'il n'y a pas d'enfant, il y a des personnes, tu ne sais pas, ils vont te demander des choses, c'est pour se moquer de toi. Tu n'arrives pas à supporter, c'était difficile. Et de 2015, Dieu nous a fait grâce, nous a visités. Ce qui m'a étonné est que lorsque nous sommes là, je vais signifier que le Seigneur nous connaît. Ça m'a étonné parce que quand il venait l'année passée à Ovakou, il était enceinte. Il était quelque part là-bas. Il dit, c'est quand il va accoucher, il va rendre le témoignage. Mais il y a un homme de Dieu qui est venu à la chair et il dit, mais je vois un nom qui passe. Jocelyne. Bénédiction, Jocelyne, miracle. J'ai dit, tiens, mais pourquoi Dieu? Je suis ici et puis il me voit. Et puis il est en train de faire passer encore des choses. Mais tu même me vois. Et moi, avec mon ventre, mais moi, il n'est pas sorti pour aller rendre témoignage. Dieu nous connaît. Lorsque nous venons ici, même si elle est cachée, il te connaît, il te voit. Et Dieu a fait grâce. On a eu une jolie petite fille de la notre mère. Je viens dire merci à Dieu et dire merci à Dieu.